Alors, nous cumulons la solution de l'équation différentielle de l'oscillateur radial LC. Nous avons la solution, elle s'écrit sous la forme UC de T égale U max cos 2P sur T0 fois T plus Phi. Alors, qui n'a T0, qui n'a pas 2P racine LC. Donc, nous avons de la solution qui est dérivée ou à deux fois qu'on a droit à l'équation différentielle. Maintenant, on cherche quoi? U max et F est l'homme des constantes. Parce que le problème, qu'est-ce que nous les conditions initiales? À T égale 0, et si de 0 égale combien, et de 0 égale combien. Alors, toute la situation initiale, le condensateur il est initialement chargé, ou la bobine initialement déchargée. Le condensateur initialement chargé vient initialement en plein charge, veut dire que à T égale 0, la tension à ses bornes est égale à E. Elle est en plein charge initialement. La bobine initialement elle est vide, et elle n'est traversée par aucun courant au début, et de 0 égale à 0. Et les deux informations, les conditions initiales, on va dire les deux constantes, U max et Fi. Alors comment? Quand on I de T, donc I de T, on a fait la question UC fois DUC sur DT, je mets l'expression de I de T, je m'arrête faire le temps 0. Donc C DUC sur DT, l'expression de I de T. Donc c'est d sur dt, dit uc l'IA, je vais la remplacer par u max cos de pi sur t0 fois t plus phi. Et alors, je vais vous dire la relation qu'on connaît, l'IA de t égale à c de uc sur dt, où uc est obligé de s'attaquer comme la solution de l'équation différentielle à l'envoi. Donc, la dérivée de la c. Déjà, la dérivée de la partie de l'oula dit la vidéo. Donc, u max constante pour le genre. Donc, c fois u max. Dv dit le cos, il y a moins sin, qu'on fait le moins à la bras. Donc, il y a le a, il y a le cos, il y a le cos. Donc, il y a 2π sur t0. Ou le cos, il y a le sinus, dit le angle, il y a 2π sur t0 fois t plus plus phi. Donc, il y a la dérivée de la c, qu'on trouve le i de t. Regardez, je n'ai pas dit I de 0, je vais faire 400 0, je le cache inconnu. Donc je vais calculer l'image de 0. Donc on envoie le temps 0, donc moins C, U max, 2π sur T0, sinus, c'est le temps, on envoie 0 fois 2π sur T0, je vais lire le terme, 4 phi, sinus phi. D'abord, il y a c'est l'image de 0. Mais avant, je connais que 400 0, la bobine était initialement vide. Il n'y a pas de chargeur, il n'y a pas de courant électrique. Donc, cette image de 0 que je suis en train de calculer, je connais qu'il vaut 0. Donc, il y a un produit, C, U max, 2P, L, T, 0, si je suis 400 0. Donc, parce qu'on a un produit nul, parce qu'on a un des facteurs d'un nul, la capacité même que je trouve nul, U max aussi, 2P n'est pas nul. Donc, il y a si je suis où il y a 400 0. Donc, je peux déduire que sinus de phi est égal à 0. N'oubliez pas que je cherche phi. Donc là, peut-être sinus, ça veut dire que je suis proche de phi. Donc il y en a 4 à 2 cas. Que ça soit phi qu'on reste avec 0 ou bien phi qu'on reste avec pi, lié à 180. Il y a sinus de 0 qui est avec 0 ou sinus de 180 lié à pi, ça veut dire avec 0. Donc on va dire, d'autres me disent, wesh, phi qu'on reste avec 0 ou qu'on reste avec pi. Donc la première condition initiale, il y a I de 0 égale 0, c'est un nain. Ou alors, on a information, on les phi, il m'a 0, il m'a pi. Donc, pour que je me dise, il y a la barre de la c'est une chose, la deuxième condition initiale. Or, on dit UC de T, qu'est-ce que ça veut dire U max cos 2π sur T0 fois le temps plus phi. Elle dit qu'elle m'a coûté la solution de l'équation différentielle qu'on vous donne. C'est la même chose, on a fait l'image de 0 que je connais déjà. Donc, il y a U max cos T, il y a 2π, il y a cos phi. C'est l'image que je suis en train de calculer. Ah, phi est égal à quoi? Est égal à E. Donc, on a un mot E. Ça veut dire que je vais cos phi. Je vais vous dire que nous avons un nom, c'est lui sur cos chaque qui est sérieux. Comme ça, on a un nom, il y 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 a un cos phi. Qu'est-ce que ça veut dire E divisé par U max. E, je n'ai pas E. Il y a la force électromotrice et le générateur, elle est positive. Ou la tension, l'amplitude maximale de la tension UC, U max, elle est positive. Et yani, le cosinus, elle est positive. Donc, elle, je cherche phi, bihait sinus diela, qu'est-ce que ça veut dire 0, bihait cosinus diela, positive. Donc, on va tester le cos diela, diela, les deux angles. Alors, or, le cos diela 0, je le connais, est égal à 1. Ou le cos diel pi est égal à moins, moins 1. Donc, il y a un angle parmi les deux réponses. Il y a des suspects avec le cos diel a négatif. Ou bien, il y a même le cos diel a e, la e max est positif. Ou il y a un certain signifié qu'un sommet 0, là, il y a le cos diel a égal à 1, mais il est positif. Donc, je vais choisir de l'effet est égal à 0, et on est certain que le cos radio comme positif. Donc, il y a un cas de l'effet est égal à 0. Comme ça, le kit. L'angle phi, ou là, les 4 la face à l'origine des dates. En même temps, le cas suivi, les 0, que nous avons déjà fait l'expression. Donc, le cos phi, réuni, le cos de 0, le cos E,
sur le masque هو كيساوي واحد دونك عندي هنا واحد لابارتي او لا لو ماكس كتساوي او بمعنى ايكون عندي جو شيرش او سي ماكس ايتيغال ا كوا ايتيغال دونك لقيت